Bon matin! Hey! J'espère que vous allez bien tout le monde. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Hier, j'ai pas filmé. Pourquoi je m'en souviens pas? Ça n'a pas donné. Ma mère est venue. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. On a fait un peu de ménage. Ah, je suis allée prendre un café avec mon amie Véronique. Ah, c'est vrai, mon Dieu, j'ai pas rien fait. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vue. Donc, je suis super contente de l'avoir vue. Puis, j'ai reçu des beaux colis. Puis là, j'ai fait du ménage cette semaine. Vous le savez. Puis moi, quand vient le temps des saisons qui changent, j'ai le goût de tout changer au complet. J'ai lavé mon tapis, vous l'avez vu. C'est important pour moi, là, vu que j'ai pas nécessairement les moyens de tout changer, hein? Mais d'ajouter des petits éléments là, à mon décor qui change, qui fait une petite différence, ça fait toujours du bien. Nettoyer, changer les meubles de place, juste changer les meubles de place, on dirait que t'as une nouvelle maison. En tout cas, pour moi, là, ça change vraiment, vraiment tout. Faire un peu de ménage, aérer, porter des couleurs d'automne, s'assurer qu'on va avoir du bois pour le foyer, puis... Je voulais vous montrer en même temps, j'ai fait faire une super belle illustration. En fait, c'est de la compagnie Mappyfool. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais je suis tellement fière de ce que j'ai fait faire, sérieusement. C'est une belle collaboration avec eux. Qui m'ont, en fait, je l'ai fait faire, mais les possibilités sont vraiment très, très grandes. Là, c'est pour aller voir, modifier et organiser ce que vous voulez. À votre goût, il y a vraiment beaucoup de choix. Moi, j'ai choisi de faire une map du Saguenay, étant donné que ça nous représente bien notre famille, on vient d'ici, ça nous fait comme un sentiment d'appartenance. Je suis vraiment, vraiment contente, je vais vous montrer ça, puis après ça, je vais l'installer avec vous. Alors, voilà comment c'est beau! Il y a possibilité, moi, je l'ai pris noir et jaune. Évidemment, je l'ai pris dans ces teintes-là, étant donné que je trouvais que ça fitait dans mon décor. Et il y a possibilité d'avoir plusieurs choix, là, comme ton sur ton, ben, tu sais, noir et blanc. Mais moi, je préférais que ça vienne faire un punch, puis je vais l'installer juste là. Fait que c'est ça qu'on fait ce matin ensemble! Wow! Puis ça vient avec... j'aurais pu acheter un cadre si je voulais, mais j'ai choisi... de prendre une chose à suspendre comme ça. Je ne sais pas encore si je vais la suspendre avec la corde ou si je vais juste mettre pas de corde. On verra. Fait que c'est ça, je vais me faire un café. Puis après ça, ben, je vais installer ça avec vous autres. Vous allez pouvoir voir le résultat. Je suis vraiment contente. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ajouté quelque chose à mon décor. Puis vraiment, là, j'adore ça. Je suis vraiment, vraiment satisfaite. De ce que j'ai choisi. Puis comme je vous dis, les possibilités sont infinies. On a un grand choix, là, vraiment. Vous irez voir. Puis la livraison est gratuite partout sur la planète. Donc, c'est vraiment génial! Je vais vous montrer un peu plus de loin comment ça fait. Je ne sais pas si je vais garder le cadre comme ça ou si je vais aller me chercher autre chose là, pour que ça passe au travers du temps plus parce que tu sais, c'est pas protégé. Là. Fait que, je vais peut-être aller me chercher un cadre plus. Alors j'aime vraiment ça, c'est vraiment beau! Ça ajoute! Je suis vraiment contente. Je trouve vraiment que ça ajoute un beau punch. Je trouve ça vraiment, vraiment hot, pour vrai. J'aime vraiment, vraiment ça. Je trouve que ça fit dans mon décor. J'aime vraiment ça. Donc, voilà, vous irez voir. C'est vraiment, vraiment beau. C'est un beau cadeau à s'offrir, mettons. Je sais pas, moi, si vous êtes d'une nationalité, puis vous sortez, vous avez votre mari ou votre mari est d'une autre nationalité, mais, tu sais, qui peut pas avoir l'occasion d'aller... toujours dans son pays ou dans sa ville ou peu importe. Fait que ça fait une... Ou votre enfant est né, genre, dans un autre pays, mais vous êtes déménagé ici. Ça fait comme un beau rappel, je trouve, que vous avez adopté un enfant
pouvait faire face à la map de sa ville, tu sais, de son pays, peu importe, tu sais, je trouve vraiment que c'est un beau petit tes origines là, tu sais, je sais pas, ça fit. Puis il y a d'autres choses que je veux vous montrer que j'ai reçues et je suis ô combien contente. D'ailleurs, j'avais un beau concours par rapport à ça, je savais même pas que ça existait, je connaissais déjà les tatous de Pico Tatou. Puis là, je les ai contactés moi-même parce que j'avais le goût de faire un concours sur ma page avec ce genre de produit-là parce que j'aime ça, puis je les utilise souvent, puis c'est un vraiment beau produit. Mais là, en plus, dans la propreté avec Oscar, on est vraiment en apprentissage. Il n'est pas encore propre à 100%, mais ils m'ont offert de m'envoyer le carnet, l'ensemble de propreté. Donc, ça vient avec, regardez ça, un petit passeport comme ça ici qu'on remplit. Ça vient avec les tatous bobettes, évidemment, les tatous caca aussi pour les récompenses. Ensuite de ça, ça vient avec des cartes de bobettes à colorier, comme toutes les bobettes qu'ils ont là, sur leur... C'est vraiment cool, sérieux, je trouve ça vraiment cute. Et ça vient aussi avec des autocollants, donc des autocollants... Oups, c'était mouillé, maudit. Des autocollants de caca et des autocollants de bobettes pour les pipis. Puis, quand le petit enfant est propre, un super, un petit écusson à coller. Fait que c'est ça, je vais regarder ça avec lui, puis je vais vraiment m'y mettre, parce que ça va quand même bien, mais il s'échappe encore, tu sais, comme juste un matin, il s'est échappé deux fois. Ça arrive. Puis, il y a Marcus aussi, qui est dans son apprentissage de la propreté la nuit. Donc, c'est d'autres choses aussi, hein? C'est plate la nuit, parce que... Il fait encore pipi dans son lit, ça arrive à l'occasion. Donc, comme cette nuit, tu mets un drap sur le dessus, tu te retournes te coucher. Mais bref, c'est ça. Que voulez-vous? Donc, voilà, j'en ferme mon café. Je me l'ai toujours pas faite. J'avais trop hâte d'installer ma map. De ma pipou! Sérieusement. Puis, après ça, aujourd'hui, Oscar, il va au jardin du coin. Il n'est pas allé mardi parce que, comme je vous avais dit, ça me stressait trop. Mais là, aujourd'hui, mon beau-père ne travaille pas. Fait que j'ai demandé qu'il vienne... qui aille le porter au moins, puis je vais aller le rechercher. Puis je voulais vous revenir aussi sur ma poussette. Vous savez, quand que j'avais commencé à la nettoyer avec du Javex, puis tout, en général, je dirais que ça a quand même bien fonctionné, mais il en reste encore, c'est ça l'affaire. Ça n'a pas tout parti. Il me restait l'ammoniaque à essayer. Tu sais, c'est vraiment moins pire, là, mais tu sais, on voit encore clairement là, que c'est comme piqué là, de moisissure, là, je ne sais pas trop. Tu sais, il y a des endroits où il y en a encore, là, vraiment. Donc, c'est ça, mais ça n'a pas décoloré, là, ma... Tu sais, je sais qu'elle est propre. En tout cas, tu sais, je me dis au moins elle est propre, là. L'autre est un peu plus pire, fait que je vais... Mon beau-père, il y en a de l'ammoniaque, je vais lui demander qu'il me l'apporte tantôt, que je vais l'essayer aujourd'hui, probablement. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, je veux faire aussi ma liste d'épicerie parce qu'on est dû. Et je veux aller faire ça ce soir, mais on a une rencontre de parents à 6h30 jusqu'à 7h15 dans la classe à Enzo. Donc, c'est un seul parent qui y va. Je sais pas. D'habitude, j'aime pas ça. Je vais pas à ces affaires-là parce que c'est tout le temps de même affaire. Mais là, vu que je connais pas, attends ça, mon beau, OK? Débarque, s'il te plaît. Je ne connais pas son professeur du tout. Je ne l'ai jamais vu. Donc, débarque, maman va te faire une toast, OK? Non. Tu veux-tu une toast? Oui, mais c'est là. Oui, mais on débarque quand même. OK? Oui, c'est OK. Ouch, ta tête, bébé. Hop là, mon petit sabre. C'est sauvé trois fois matin. C'est ça. Okay, je vous rejoins de ça tout à l'heure, un petit peu plus tard. Et puis... on verra qu'est-ce qui se passera aujourd'hui. Mais clairement, il faut faire faut que j'aille faire l'épicerie. Puis là, ça fait bien, Jonathan. Il a eu sa première paye. Yeah! Première paye complète! En tout cas, ça fait du bien, je vais vous le dire, parce que les dernières semaines, ça a été beaucoup plus difficile côté finance, étant donné que, tu sais, avec le retour au travail, puis, tu sais, en tout cas, c'était. C'était le temps, on dit, acheter le temps. Fait que voilà, je vais me promener d'un bord puis de l'autre, puis j'essaie de... OK, on sort d'ici, maman veut pas qu'on joue dans la toilette. Non, on joue pas dans la toilette. Là, je souhaite un beau belle journée tout le monde, on s'en parle plus tard. On est l'heure du midi. Il est midi, d'ailleurs.
C'est pas chaud, chaud, chaud dehors, mais c'est pas si froid non plus. J'ai fait de la pizza. Des petites pizzas. Yo, man. Des petites pizzas pas chères, là, 3$ la pizza. Là, j'ai préparé Oscar pour son petit party au Jardin du Coin. Il est tellement beau. Puis il va en bobette pour la première fois. Oh, mon chou! Regarde, maman. Yo, mon trois amis, comment t'es beau. Regardez-moi ça! T'es chic, hein? Tes cheveux sont beaux! Ouais, moi aussi, je suis beau. Oui, Enzo aussi. Enzo, il est dit pour une coupe. Marcus, Enzo et Oscar, là, je vais les envoyer faire couper leurs cheveux, je crois. Parce que j'étais un peu tannée de leur coupe, pas coupe. Mais Enzo, c'est pire que pire. Là, je vais les faire raser. Parce que j'ai quelque chose ici qui pousse. Ouais, c'est ça. Il y a comme trop de repousse. Puis ça couette, ça fait pas beau. Puis. Ils sont mal coupés, c'est nous autres qui les avaient coupés la dernière fois. C'est qui? Fait que c'est maman puis papa. Fait que là, je vais l'envoyer chez la coiffeuse en bas. Je vais appeler tantôt. Voir tu vas y aller en pied? S'il y a de la place, là, je sais pas s'il va en avoir aujourd'hui. Mais moi, je suis capable d'y aller en pied. Fais pas ça avec tes souliers, Oscar. Tu vas toutes les briser. C'est à côté d'elle. Fais pas ça. Là, il va falloir mettre un manteau, les gars. C'est pas chaud quand même dehors. Ben moi, j'ai des trucs. Ouais, mais c'est pas chaud pareil. Maman veut pas que vous alliez. Non, il est de bonne heure encore. Trop de bonne heure. Donc, je m'en viens au courrier. Puis je vais avoir une belle petite après-midi tranquille. Oh, on a reçu quelque chose. Oh, yes! J'attendais ça. Je les attendais. C'est des bandeaux de Mama Hippie. Fait que je vais pouvoir faire une belle petite séance, peut-être photo tantôt. Parce que je vais avoir un beau concours là-dessus sur Insta, évidemment. Fait que c'est pour ça, si vous n'êtes pas abonné à ma page Instagram, j'ai fait beaucoup de concours là-dessus. Je trouve ça plus facile. Ben, je peux pas en faire vraiment. Ah, pas pour nous autres, je parle. Je peux pas en faire sur YouTube, étant donné que mes commentaires sont désactivés. Alors, voilà la raison. Alors, c'est ça. Vivante, un petit vent frais. Coucou, il est 14h38 déjà. Je me suis reposée, mais là je suis en train de cogner des clous. Il faut que j'aille chercher Oscar dans quelques temps. Dans vraiment pas longtemps. Donc, je vais refaire. Oh, pardon. Un café! Je vais tout de suite parce que ouf, c'est bien trop dur. Puis après ça, go! On s'en va en poussette chercher le beau Oscar. Je vais faire mon café. Je suis prête à partir. Oups! C'est vrai. J'ai reçu mes trop beaux bandeaux. Je capote tellement qu'ils sont beaux. Puis là, hein, ça paraît-tu que je. J'ai mis l'habit de printemps, Philly, que j'avais reçu l'automne passé, printemps passé, de Nano. Ils sont tellement beaux. Il y a des moments. Il est tout caché. Coucou! Puis là, mon café, je suis vraiment addict au pumpkin spice d'International Delight. Là, j'en mets tout le temps. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pris mon café noir. Fait que j'amène mes petits... bandeau parce que je veux faire un petit staging de photos pour mon concours. Fait que c'est ça! On est parti! Il est 6h15 et je suis au coin de ma rue là. J'aurais pu vous parler bientôt. Celle au volant, c'est interdit. C'est interdit avec les celles au volant. Je m'en vais à la rencontre de parents à Enzo. Donc c'est de 6h15 à 7h40. 6h15. 6h30 à 7h15. 6h30 à 7h15. Donc, je m'en vais là-bas et j'ai bien hâte de voir. Il m'a écrit un mot, là, il était tout excité de me dire ça. Puis qu'il voulait que j'y en écrive un, puis tatata. Fait que c'est sûr que oui, vous savez bien. Fait que j'ai bien hâte de voir, de rencontrer son professeur. Puis j'espère que ça va être. Ça va être général, là, c'est ça, c'est pas individuel. Je vous ai pas parlé après la réunion, ça s'est super bien passé. Je suis venue chercher Jonathan. On est allé au Costco. Il était 7h30. Donc, je vais vous montrer vite. Ma cuisine n'est pas ramassée. J'ai eu ça. Mais que voulez-vous? Ça va être ça. En soir, ça va être dans le bordel. J'ai racheté chez Costco tout ça. Ce mélange-là, j'avais déjà acheté dans le passé. Puis c'est rapide la fin de semaine, mettons. T'sais. Même au pays qui n'a pas d'enfant. Je rajoute juste de l'eau. Mélange à crêpes. J'ai acheté des céréales Go Frigo, il est en spécial. Je vais vous mettre quelque part, je pense.
Je vais vous mettre quelque part. Les enfants vont avoir des céréales pour demain matin. Mais il y en avait encore, mais là, ils ne voulaient plus les manger. Ça ne tentait plus de manger sur la sorte que j'avais achetée. J'ai plus de canage là, de réserve. J'ai comme. Quand on est parti en camping, j'ai comme arrêté d'en acheter tout. Parce que j'en utilise moi, que j'ai acheté 6 cannes de sauce hot chicken. 3 pains au G. Je ne connais pas ce pain-là, mais il a l'air vraiment bon. Du pain du Québec. 3-4 litres de lait. J'ai acheté une caisse de couche. Elle est encore en spécial jusqu'au 20. Fait que l'Oscar qui est presque propre, on en utilise moins. Fait que ça baisse moins vite aussi, ça paraît. Là, Elliot ne fait plus de skate, comme vous savez. Fait que moi, j'avais racheté une paire de pantalons. D'habitude, il prenait le look baggy, mais là, c'est fini ce temps-là. Mais tu sais, il change tellement souvent d'idée qu'on vient qu'on ne sait plus. Fait que là, j'avais acheté les pantalons Levi's comme ça. 14-16, mais là, vu qu'il est plus baggy, ça y fait pas pantoute, là. Fait que on va aller changer ça demain. J'avais acheté une paire de jeans Enzo 8 ans. C'est Elliot qui les a pris. Parce que c'est ça. Repris des super beaux leggings Fila que j'aime. On est vraiment confortable dedans. Puis je suis tout le temps en leggings à la maison. J'ai pris les gris, j'avais des noirs. Pardon. Les meilleurs chips. Le mix à Jonathan. M&M aux arachides. Un pot. Oups, vous êtes là. Pourquoi j'étais là? Un pot de maillot, j'en avais plus. Plus de maillot, là, c'est terrible. La petite vache, parce qu'on en a pris beaucoup quand on a fait nos débouchages de toilettes. Salade de fruits pour les collations. Pastilles à la vaisselle. Des genres de petites Reese comme ça au beurre d'amande et chocolat noir. Des Rice Krispies. Des amandes, des bonbons sans repas. Le classique. Des fèves. Deux barquettes de framboises. Des maïs qui étaient à 3$. J'ai pris un petit livre comme ça à Enzo. Donc je vais aller lui donner. Il va être content. Parce qu'Eliott a pris ses culottes, fait qu'il va me fâcher. Ça claque les portes. Il est 9h, je vous signale. À cette heure-là, la mère, elle n'a pas de patience. Elle n'a plus. Et pas de pouf! Fait que c'est ça. On va avoir encore des commissions à faire demain. Donc, aller changer les culottes. Puis, on va faire une épicerie dans une vraie épicerie. Parce que moi, je trouve que chez Costco, il n'y a pas assez de variété. J'aime ça. Donc, c'est ça. Là-dessus, je vous dis bonne nuit tout le monde. À demain. Bye. Bon matin, matin! Ning, ning, ning! Y'a comme ça qui s'entraîne en arrière. J'suis ta bout de la vaisselle. La, la, la! Oh, je m'en sors pas, la moseuse de vaisselle. Ça m'écoeure. Ça me tente tellement pas de faire ça, là. Vider, la remplir la vaisselle, là. Clairement, une tâche qu'il faut que j'instaure à mes enfants. J'ai reçu un super beau colis ce matin! Oh, Marcus! J'ai gardé Marcus. Il filait pas. Donc, il s'était comme levé, plus fatigué, hein? Il faisait pas de température, mais je le trouvais quand même un peu chaud. En tout cas, fait que, pour l'instant, je vais le garder en observation. Il ira pas à l'école aujourd'hui. Parce qu'on trouvait que c'était un petit peu malade. Comme on prendra pas de chance. Mais Enzo est allé, lui, il n'y avait pas de symptômes, rien. J'ai reçu, comme je vous dis, un beau colis. C'est des jeux qui sont faits ici au Québec, les jeux Educo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est fait à Rivière-du-Loup, donc c'est vraiment... Ouais, un petit peu. C'est vraiment pas si loin. Et c'est des apprentissages là, amusants. J'ai gentiment reçu deux jeux. C'est pour, surtout pour jouer avec Oscar, pour lui apprendre ses couleurs. Attends un petit peu, il y a des petites gommettes qu'il faut qu'on enlève. Et les animaux de la ferme. Donc, là, c'est sûr que les garçons sont super intéressés. C'est en anglais et en français. Donc, ça peut amener plein de choses. On va jouer à ça ce matin. Donc, en attendant que les garçons, que Enzo arrive de l'école. Et moi, j'ai des petites choses à faire aussi.
beaucoup de choses à faire, en fait. Puis Jonathan est en congé aujourd'hui. Les vaccins Philibert étaient supposés d'être à 1 h. Finalement, ils sont reportés au 1er octobre. Ils sont où, les gommettes? C'est pas tellement grave. Et puis, sinon, la nuit, ben, je me suis réveillée à toutes les heures. Non, les gommettes. Comme d'habitude. Fait que c'est ça, tout le monde. Là-dessus, ben, on fait un petit jeu, puis on se reparle plus tard. Je vous ai laissé tomber aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens, mais j'ai pas fait grand-chose. J'avais beaucoup de contenu à faire, là, de la création de contenu que je devais refaire, et ça m'a beaucoup causé du stress. Mm-hmm. Mais sinon, la journée, ça s'est quand même bien passé. Il est rendu 4h15. Ma fille est pas là, évidemment. Elle s'en va chez ma mère, donc Eliott s'en vient. Ça me tente tellement pas de faire à souper. Je me suis pris une petite coupe de vin, c'est vendredi. J'ai, comme vous savez, essayé de jouer au jeu avec les garçons. Ça a été l'horreur. Puis, je vais vraiment falloir que je joue, que je vais être tout seul avec Oscar, puis lui montrer tranquillement c'est quoi les règles d'un jeu. Il a de la misère avec ça. Il comprend pas, puis il fait n'importe quoi. Fait que ça n'a pas super bien fonctionné, mais en tout cas, il est encore petit quand même. Et sinon, ben j'avais... Peut-être Enzo va partir dans un chalet, on va voir, c'est pas sûr. Ils ont tout le temps des plans pas possibles, ces enfants-là. Puis c'est jamais vraiment ça. Fait que là, tu sais, il a fait son bagage à midi en pensant qu'il s'en allait dans un chalet avec son ami, Théo. Mais là, j'ai fait, ben là, tu diras à sa mère qu'elle m'appelle, là. Je suis comme pas sûre. D'un coup, c'est pas vrai, ça part là. Fait que c'est ça, il s'était fait ce plan-là, mais on va voir si ça va se concrétiser ou non. Comme demain, moi et Jonathan, on s'en va à l'hôtel. J'ai hâte de voir. Excusez, j'entends Jonathan qui fait faire pipi Oscar à sa toilette. Puis c'est ça, dans le fond, Ophélie aura un enfant de moins à s'occuper parce que si la chambre n'est pas louée ce soir, on peut y aller demain, genre à l'heure qu'on veut. Fait que on a le goût d'y aller de bonne heure. Et c'est vrai, il faudrait que je réserve pour le souper aussi. Alors, c'est ça que je vais faire à l'instant. Yeah! Jonathan qui me demande, Marie, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Il dit, il y a de la viande à fondue, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? De la viande à fondue, là, ça se fait tellement bien! Oh! Des joyeux festins avec de la viande à fondue, c'est merveilleux! Oh. Il est parti chercher du McDo aux enfants. C'est vendredi. Oh! Oscar, il fait des beaux efforts, mon coco, pour. Va chercher. Il fait des beaux efforts, mon coco, avec son pipi dans la toilette. Hein? On est presque propre. Marcus, c'est la même chose. Il fait des beaux efforts pour les pipis. Pas faire pipi dans son lit la nuit. Donc, c'est une belle occasion de récompenser les enfants. Ouais. Et Enzo, finalement, la mère de Théo m'a contactée. Puis c'est vrai. Oui. Il est parti au chalet pour la fin de semaine. Il revient dimanche. Donc, voilà. Ça, c'est plaisant. Alors, là-dessus, finalement, j'ai pas commandé à l'inter parce que je me suis rendu compte que Jonathan, c'était pas son genre de menu que ça y tentait de ce temps-ci. On va aller au Rouge Burger, s'il y a de la place, évidemment. C'est plus le genre à Jonathan. Puis là, Oscar, il veut qu'on joue au jeu qu'on a reçu aujourd'hui. Pardon. J'ai sorti le jeu des animaux. Oui. Est-ce que tu sais c'est quoi cet animal-là? Une glais. Une glais. Une glais. Ah oui, elle donne du lait, c'est vrai. C'est... À moi? Elle donne du lait à toi? Oui. Allez-moi. Tu veux y aller voir la vache? Oui. T'aimerais ça voir comment ça marche? Oui. C'est vrai que ça serait le fun que tu vois ça, comment ça fonctionne. Hein? Allez-moi. Tu voudrais aller la voir, la vache, hein, qui te donne du lait? Allez-moi. Dis-le, une... C'est qui te donne du lait, toi? Une? Une. Ah ouais! Une vache. Dis-le. Vache. Mouh. Oui! C'est quoi ça? C'est quoi? Ah, t'as peur, on n'a pas fini. Comment ça s'appelle, cet animal-là? C'est une? Lait. Non, c'est une vache. 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 Mou. Oui, elle fait mou. C'est mou? Oui. Ça, c'est quoi qui fait? Il est pas là. Il n'y en a pas. OK. Ça, c'est quoi? C'est un?
Lapin. Est-ce que tu connais le lapin? Le hibre. Oui, il y en a un autre là. Le hibre. Il y en a un autre là. Wow! Ça, est-ce que tu sais c'est quoi? C'est un... Un lapin! Dis-le, ah. Dis-le, lapin. Qu'est-ce qu'il y a? Pauline. Hein? Ah, oh, tu t'es fait mal. Tantôt, il est allé dans la trampoline, puis il s'est fait des bobos à ses yeux, hein? Oui. T'avais des graines dans tes yeux? Ça faisait beaucoup mal, hein? T'es beau, toi. Est-ce que tu me donnes un billet? You, maman. Tu veux que je joue? Mais donne-moi un billet avant. Donc, c'est, ils ont deux côtés. L'autre, donc, on c'est a un côté comme ça. Et, pardon. Wow. C'est là, maman. Et l'autre côté est comme ça. Fait qu'on n'a pas les mêmes animaux d'un bord et de l'autre. C'est là, maman. Fait que ça fait plus d'apprentissage encore. Puis c'est vraiment le fun. Ah. Tu sais, comme là, ils ne savaient pas. Oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets ça dans ta bouche? C'est des jeux qui sont entièrement faits ici au Québec, à Rivière-du-... Arrête! Une invente, pour vrai. Arrête! Non, maman, elle veut pas. Fait que c'est ça. On va jouer à ça. Puis là, je suis bien contente. C'est une Moses de bonne idée. J'aimerais vraiment ça aller visiter une ferme avec Oscar pour lui montrer c'est qui donne le lait. Bon matin! On est samedi et Jonathan est parti à l'usine! N'importe quoi. Et Molly, il a été calé. Mais ça devrait pas être trop long, m'a dit. Aujourd'hui, finalement, Enzo va revenir. Là, la maman de Théo m'a réécrit. Ça a l'air qu'il s'en est. C'est drôle, j'avais pas pensé qu'Enzo, il aime ça d'habitude découcher, lui. Il aime ça. Il était tellement excité d'y aller. Là. Fait que j'aurais pas pensé qu'il revienne le lendemain. Non, en tout cas, ça ne dérangeait pas. C'est, ils sont petits encore, là. Ils ont juste 8 ans quand même, là. Fait que c'est sûr que hein, c'est pas... Maman? Oui! Maman, au Québec, là, les amis n'ont pas ça aller au Québec. Ah, aller à Québec, t'aimerais ça y retourner? Oui, à l'hôtel? Ah, oui, à Québec, là, Québec. C'était hot, hein? Ouais, quand on était allé, hein? Ouais. La nuit, ça a été... J'en parle même plus! Vous le direz, vu que ça est bien. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, au moins, tu sais, Oscar, il se couche dans son lit quand même. Puis il se réveille, il vient nous trouver. Mais tu sais, c'est pas comme c'était avant. T'sais. Puis Marcus, non, Marcus, il a fait un beau dodo dans son lit. Il s'est réveillé, puis il a fait un pipi dans la toilette. Bravo, tes gousses. T'as tout qu'un style ce matin, hein? Un tatou. Tu veux un tatou? Un tatou de pipi ou un tatou de lune? Un tatou de lune, puis de pipi. Un tatou de lune, puis de pipi. OK. Fait que c'est ça, j'avais reçu. Je vous les avais-tu présentés? Je vais vous les représenter. Avec l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, mon Dieu, ça en fait beaucoup des tatous, ça. Attends un petit peu. Je vais vous présenter ça cette semaine. Ça n'a pas de bon sens, comment c'est beau. Ben là, t'as pas fait. Toi, t'es propre, toi, de caca, mon homme. C'est ton frère qui n'est pas propre de caca. Encore. Ouais, toi, tu fais pas caca dans ta couche. Hein? Gars, il y en a plein des beaux là que maman l'a reçu. J'ai reçu ceux-là. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est ça. Ici, les beaux tatous picots. J'en ai déjà parlé. C'est à moi? Mais j'ai reçu de eux un passeport de propreté pour Oscar. C'est vraiment bien fait. Je savais même pas que ça existait. Je me souviens pas si je vous en ai parlé. Mais je pense que oui. Mais en tout cas, bref, je vais mettre un beau tatou à Marcus. La lune est belle, hein? C'est leur nouveauté, celui-là. Bon, Jonathan vient d'aller chercher Ophélie. Il est rendu presque 2 heures. Bien, bientôt, on va partir. On a des petites commissions. Fait que, c'est ça. On va aller... Pourquoi tu m'achetais des gumballons? Non, on a acheté hier, puis vous les avez toutes, déjà toutes mangées. Il a acheté des Timbits, là. C'est parfait, des bonnes Timbits. D'ailleurs, je vais m'en enfiler une. Une déjà entamée. Hein? Bon. Okay, on va aller à la SAQ. Oh, j'en ai acheté une belle chemise. Pour l'occasion. Il est beau. C'est vraiment belle. Youpi! Liberté! Oh, mes cheveux sont tellement affreux, je les ai pas eu pas à tout. Ils étaient propres, hein, fait que d'habitude, je me les fais, puis ils sont pas propres.
autres là sont trop propres. En tout cas, hein? Au rouge, c'est pas chic, c'est plus. Bah, c'est pas que c'est pas chic, là, mais comment je pourrais dire ça? C'est plus. Décontracte, hein? C'est ça? Oui. Je crois que c'est ça le mot. Elle est vraiment belle ta chemise, bé. C'est un bon choix. Jonathan, t'es allé magasiner tout ça le matin. T'as acheté une belle petite chemise, carottée de même, on aime ça. Et il l'a pris chez Jack & Jones. Fait que c'est la première fois de sa vie qu'elle est là, je pense. Fait qu'il est 2 heures, puis on est parti! On s'en va, puis là, on va essayer de pas parler des enfants. Hein? On en parle assez. Regarde, je te parle. Trop tard, c'est la parole. Ouais, mais là, je fais comme l'annoncer. Je fais comme annoncer ça comme un défi, ouais. Genre. On va essayer. Fait que là, on va faire des petites, nos petites commissions. On va aller à SAQ, comme je vous ai dit. Puis après ça, ben, on va vers 3 heures. Je pense qu'on va aller prendre possession de la chambre. Alors, c'est ça. Il est 3 heures, puis on s'est dit qu'on allait prendre un petit verre avant de descendre tantôt pour 5 heures au rouge. J'ai emmené ma bouteille de mousseux. Ça fait assez longtemps qu'on se dit qu'on va prendre ce mousseux-là, puis qu'on n'a pas d'occasion jamais. Puis on s'est dit, c'est assez, nous. Hein? On commence par ça, mon bébé. Hein? C'est assez. C'est assez. Jonathan a dit, c'est assez. Super belle vue, vraiment, là, écœurant. On pop, vas-y, bébé. Ça pour vrai! Pas de danger. T'as bien fait ça, hein? T'as fait ça toute ta vie. Ça, il nous l'avait été conseillé, puis il disait qu'il était vraiment bon, hein, le gars. Allez, ça. Oh, bon, tu, on dirait qu'il a fait ça. On dirait que c'est un serveur. Jonathan le serveur. Ah, chill, mon ami. À nous deux, à notre amour. Soirée. À notre vie chaotique. Bon. Pas mauvais, le petit mousseux. Ouais, non, c'est un villa, si vous voulez savoir. Il était pas si cher que ça non plus, là. Villa. Là, je sais pas si c'est un conchi ou gongchi. Comme ça. Je vais vous montrer. Ça va être plus facile. Super bon. Donc, on est prêt à aller souper. J'ai ma traditionnelle robe que je mets toujours. C'est comme la seule que j'ai que je trouve qui me fait bien. Pardon. Mais je l'aime. Coudon. Hein? Je pense qu'on est assis à la même place que la première fois qu'on est venu à mon bureau, hein? C'est vraiment tranquille ce soir pour vrai. C'est un beau petit resto bar. On vient de commander notre cocktail. On a pris, c'est peut-être ici, Hawaii. Je sais pas. Il y a du rhum, c'est ça? Je t'ai dit, il y a du jus de pamplemousse. Jonathan est moins friand. Non, c'est pas du jus de pamplemousse. C'est du élixir de pamplemousse de Monsieur Cocktail. Fait qu'on va éviter ça. De toute façon, au pire, s'il n'aime pas ça, je le prendrai tout. Puis il y a vraiment. C'est vraiment. Je vais vous dire que moi, ce que je vois pas dans ça, ça va être vraiment gros. On va voir les résultats de l'intégrine. Ah ouais, c'est ça sûr. Va être fou, là. C'est sûr, genre. Ça va garder un peu le menu, ça va être débile. Le menu, c'est vraiment menu, genre, comme pas de fou. Ouais, son cheat day. Parce que là, il y a du poulet frit qui tente vraiment, Jonas.
Avec une livre de frites. Une livre de frites. Ça me parle. Ça me parle. Tu sais, écoute, on sort pas souvent. Puis Jonathan, tu sais, il mange bien toute la semaine. C'est correct qu'il se permette un peu. Puis moi, je sais pas encore qu'est-ce que je vais prendre. Ça va sûrement être un burger parce qu'ils sont vraiment trop bons. Pour vrai, là, on se trompe pas avec les burgers. Mais, non, c'est ça. C'est pour c'est ça que je l'ai dit. C'est ça qui me fait hésiter. Les burgers sont tellement bons. Je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, mais c'est bon pareil, c'est fun d'essayer d'autres choses. On va se prendre une entrée. C'est ça. Jeanette va prendre une entrée de poutine RBB. On va se prendre une petite poutine RBB, donc rouge burger bar. Moi, je pense que je vais prendre une entrée aussi, mais peut-être le mac and cheese avec bacon. À suivre. On va vous montrer ça. Bon, pour que Jeanette, on a changé de place. C'est ici à Hawaii, c'est peut-être ici à Hawaii. Il manque un punch, quelque chose, je sais pas c'est quoi, je sais pas s'ils l'ont raté ou quoi, mais il manque un petit skip, quelque chose de plus fort, ça goûte un peu, je vois jamais, c'est objectif. Ouais, c'est ça. Ça goûte un peu l'eau, pour vrai. Hein. C'est pas. Il y a un petit quelque chose qui. Je sais pas c'est quoi. On l'a bien brassé. Trop drôle, là, ça fait. Peut-être trop de glace. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas mauvais, là. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais. Mais c'est pas. Mettons que je m'en ferais un chez nous, je le ferais différemment. Ben, moi, ils l'ont raté. Comment ils l'ont raté? On peut goûter, tu vois que ça, il y a quelque chose. Pourrait c'est bon. Supposé avoir du jus d'ananas, ou ben, on dirait que tu, c'est comme. Oui, non. Ouais, sauf que tu sais, le jus n'a pas l'air d'un jus, mettons, ou à 10 à l'ananas, tu sais, c'est clair comme liquide, là. En tout cas, c'est justement. Ça goûte le Mio. Il dit que ça goûte le Mio. Mio. Manga nana. Fait que c'est ça, hein? En tout cas, pas grave. C'est bon. Deuxième cocktail, un mojito à la framboise. Mojito. Ouais, c'est, là, ça ressemble plus à ça. Il est bon, là. Ouais, il est vraiment bon. Fait que prenez pas, c'est peut-être site Hawaii, prenez un mojito à la framboise tout de suite en partant. Je suis pas déçu. Vous serez pas déçu. On a fait l'erreur pour vous. Faites un peu pour vous. Prenez nos erreurs. C'est ça. Bon, on vient de finir de souper. Quelle déception! Le poulet frit à Jonathan était mariné au cornichon. Tu sais, c'est bon, là, des cornichons, on s'entend. Là, ça goûtait fort, là. Mais c'est parce que tout goûtait le cornichon, les frites, tout goûtait le cornichon, sérieux. C'était fou, là. Moi, mes frites goûtaient le cornichon, Jonathan, son poulet. La peau du poulet goûtait le pornichon. Le cornichon. Ah, sérieux, c'était pas super. Pour vrai, là, on lui descend un peu de notre... On lui descend un peu quand même de notre choix. Dans notre souvenir, c'était pas comme ça. Hein, B? Non. Non, hein? Cornichon. Ben, c'était la première fois qu'on prenait que tu prenais le poulet frit, mais je veux dire, dans notre souvenir, c'était pas... C'était bon, là, au rouge, là. Mais même moi, mon burger, je vais vous avouer que j'étais déçue, pour vrai. C'était bon. La sauce barbecue était écœurante. La poutine était écœurante. Le macaroni, le mac and cheese était écœurant. Hein? C'était bon, là, ça, là. Hein? La poutine était malade, pour vrai. Mais mon burger... Le réseur était là. On aurait dû prendre juste Moi, j'aurais dû prendre juste mon... Mon mac and cheese, puis Jonathan juste sa poutine. En tout cas. Fait que c'est ça. C'est bien relax. On va prendre un petit verre dans notre chambre. On va se coller en amoureux parce qu'on est là pour ça, se coller. Sans se faire déranger. Puis là, c'est super beau. Je vais vous montrer.
la vue. Regardez-moi ça! Comment c'est cute! C'est le fun! C'est beau! Ouais. Ok. Là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. On va se reparler demain, tout le monde! Bye!